Et salut à tous et on continue l'aventure Knock. C'est parti. Je vais me faire chier encore une fois. C'est parti. S'il vous plaît. De bons jeux. De vrais bons jeux. Ah, on l'a vu. Nak, libère le passage, on reste derrière toi. C'est vrai, ça. Good bad. Vous allez me casser la gueule. Y'a plus de jeunesse. Là, je suis en train de regarder autre chose. Ça m'apprendra. Putain, tu me prends la con. Ah ouais, carrément. I ride my car right now. Ma putain. Ok. Mais quoi? Mais c'est quoi ce jeu de merde? Je commence à me faire chier. Pas marrant du tout. Tcha. Mais c'est de la merde de... C'est coquet, va.
On est parvenu. Putain, le mec est... Je l'ai doué. Je l'ai doué. Nak, attends-moi. Ça, ce sont des faisceaux de protection. Regarde. Ils sont reliés à ce laser. Si on touche les faisceaux, on grille. Bon. On peut pas rester là. On est obligé de monter. Allez. Ok. Cinématique inutile. Allez. Oh que ça me fait chier. Bon, allez tiens. Quoi? Va te faire foutre le jeu. Bon, pas que je me fais chier, mais c'est tout comme. Voilà. De merde. Allez, allez. Ok. C'est trop bien. Trop bien. Je m'amuse. Allez, bien sûr, c'est lui qui a la priorité. Ce jeu de merde. Allez, fais des checkpoints à la con aussi.
Merde, va. Jeu de merde. Tia da ta paz, apatia. Choisis l'avion le plus rapide et rattrape-les. Oh non, 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 Jean-Michel, scénario. Ils sont tombés dans le bon vieux piège de l'avion télécommandé. Maintenant, allons voir ce que Victor compte faire avec ses reliques. Le truc, c'est qu'il faut d'abord passer ses faisceaux de protection. Docteur, n'oubliez pas notre mission. On ne devrait pas plutôt rejoindre Oncle Ryder. Lucas, ça suffit à la fin. Ryder n'a pas besoin de nous pour le moment. Et nous devons trouver un moyen de franchir ses faisceaux. Des idées? Ouais. Je crois que je sais comment faire. Bien. Hey, Nak, tu vois ces robots patrouilleurs? Leurs projecteurs sont alimentés par des cristaux. Il faudrait en récupérer une vingtaine. Et à quoi ça va nous servir exactement? Je vous montrerai quand on les aura. À tout de suite. Ah. Lol. Ce que je pensais, des cristaux. Ok. Je vais les ramasser. Continue comme ça. Carrément, le truc, il te laisse aucun... Je cherche même plus, là. Allez. Je dois passer un bon moment après, c'est ça le truc? Mais complètement aléatoire. Ça, tu vois, ça c'est la marque des grands jeux là. Vas-y, Nak. Vas-y.
que je vais voir là-bas. S'il y a rien. Et il y avait un truc. On a fait la moitié. C'est vrai ça. C'est vrai. On avait la moitié. C'est trop bien. Ouais. C'est vrai ça. Allez, plus que ça. Ouais, un objet de collection. Ok. Bon. Ok. Pas fou. Voilà. Le plaisir avait un nom, il s'appelait... Bon gros jeu de merde. La boum, il est mort. Nak, merci pour ton aide. Je crois que ça ira. Nak, rappelle-toi ce que tu as fait avec les stalagmites. Je voudrais que tu t'amplifies avec ces cristaux de la même façon. Oh, c'est ridicule. Mmh.
J'aurais jamais cru ça possible. L'énergie arcanique de l'orbe thoracique ne peut interagir qu'avec les matériaux hyper denses des reliques. Si, c'est possible. Nak, maintenant ça va être plus compliqué. Je veux que tu te concentres pour transférer toutes tes fonctions cognitives dans les cristaux et laisse les reliques de côté. Vous avez devant vous le Nak furtif! Impressionnant! Maintenant, franchis les faisceaux de protection et désactive-les! Lol. N'oublie pas, si les rayons te détectent, ils te détruiront. Carrément, une one shot. Depuis quand, j'en sais rien. Voilà. Pas quoi ça sert. Voilà. Nickel Chrome. Bien joué, Nak. Comment tu te sens, Nak? Un peu comme un somnambule. C'est une sensation étrange. Mais ce moi transparent ne tient pas à être éloigné de ça trop longtemps. LOL. Ok, carrément. Mais qu'est-ce qui se passe là? Merde,
Go, go, Power Rangers! Voilà. Il se croit trop le mec. Il se croit trop. Toute cette sécurité. J'ai vraiment hâte de voir ce que Victor fabrique ici. Voilà. Là par contre là je comprends pas là. Ah je peux pas le faire comme ça. Ouais. Ouais. On dirait qu'il utilise des reliques géantes pour alimenter ce moteur. Ouais. C'est un moteur de voiture volante agrandi un millier de fois. Avec ça, on pourrait faire voler un avion long de 3 km. Voyons ce qu'on peut trouver d'autre par ici. Je peux pas descendre le putter girl. C'est lâche. C'est trop bien. Là, on soupe à ma gare robot et tout. Attention, Nak. Quoi que tout pour me faire peur.
Ouais, je suis trop fort. Ouais. Et bien sûr, le checkpoint est à 3 km. Ah ouais. Tu peux pas le mettre le checkpoint tout près alors que tu peux le mettre à 3 km. On va s'arrêter là, je reprends tout de suite après. Faire la coupure de la vidéo. Allez, ciao!